4, on a le temps de venir se positionner. C'est parti. Et ils sont partis pour se disputer le prix de l'Arc de Triomphe plus un barrière 2006. Un bon départ à l'extérieur de Raylink à la corde de Eric Cameron, mais Deep Impact assez bien parti pour une fois et sur la ligne de tête avec après 100 mètres de course Irish Wells à l'extérieur, le 7 qui est l'avantage devant Deep Impact. Raylink vient ensuite avec Eric Cameron à la corde à son extérieur, galop Scirocco qui vient maintenant 3ème, Best Name Kazakh Jaune patiente maintenant avec Pride en cul du petit peloton. Avec Irish Wells qui est isolé plutôt à l'extérieur par Dominic Buff et qui a pris l'avantage devant le grand favori de l'épreuve, le japonais Deep Impact qui est en 2ème position à la corde alors que Scirocco vient en 3ème position, la Kazakh Jaune Toque Blanche qui est portée par Christophe Soumillon et le tenant du titre du Eric Cameron. Il est pour l'instant 4ème à la corde devant le 300 Raylink qui vient devant un autre 300, c'est Best Name Kazakh Jaune Toque Jaune à la corde alors que Pride patiente file à son habitude à l'arrière car devant encore 60s Aiton et Frankie Dettori. On va déboucher derrière le petit bois toujours sur le commandement du 7 à Irish Wells et Dominic Buff qui ont pris 2 ou 3 longueurs d'avance sur Scirocco Toque Blanche à l'extérieur, mais Deep Impact et Yuta Katake sont tout prêts à la corde devant Eric Cameron, Kazakh bleu et orange qui est à la corde avec Raylink un peu brillant à son extérieur. 60s Aiton galope ensuite aux côtés de Best Name alors que Pride, le numéro 4 Kazakh bleu, patiente au dernier rang. Irish Wells, lauréat du Grand Prix de Deauville avec 2000 longueurs d'avance sur Scirocco qui est venu se placer à son extérieur. C'est de là qu'il mène avec 2 longueurs devant Deep Impact alors que Hurricane Run est toujours à la corde en 4ème position. 5ème Railing, 6ème Best Name avec ensuite 60s Aiton et Pride qui patiente toujours en dernière position. Bientôt le bas de la descente, toujours un train très vif imprimé par le 7 Irish Wells. Scirocco et Christophe Soumillon sont tout près de lui avec à la corde le numéro 2 Hurricane Run qui est tout près. Deep Impact s'est décalé à l'extérieur et commence à préparer son attaquement. Railing, Best Name patient toujours devant 60s Aiton et Pride toujours dernière. Irish Wells qui a l'avantage, Scirocco à son extérieur, Deep Impact décalé maintenant à l'extérieur, Hurricane Run galopant plutôt à la corde, il vient encore devant Railing qui est en 5ème position alors que Best Name patient toujours, il est 6ème. 60s Aiton, Kazakh Move étant en avant dernière position devant Pride qui patiente à l'arrière-garde. Ils ont presque tous encore leur chance avec Irish Wells attaqué par Scirocco. Deep Impact qui progresse très librement à l'extérieur, mais Railing, Hurricane Run sont assez basques. Best Name se cale à la corde à l'extérieur, 60s Aiton tendant revient devant Pride avec Irish Wells qui est attaqué maintenant à son extérieur par Scirocco. Deep Impact qui est maintenant lancé à l'extérieur par Yuta Katake et Raylink qui tente de progresser alors que Pride attend l'ouverture. Raylink pour la victoire maintenant avec Deep Impact qui se défend bien. Pride qui a trouvé le passage qui va terminer maintenant très fort à l'extérieur. Raylink, Deep Impact qui repart le plus mal. Raylink qui a pris l'avantage. Pride très fort en dehors. Raylink qui va s'imposer. Pride remarquable et deuxième avec Deep Impact qui prendra la troisième place. Raylink qui s'impose, le 7ème, Arc de Triomphe d'André Fable, le premier de Stéphane Pasquier, la Kazakh Prince Abdullah à l'honneur. Raylink, eh bien, le 3 ans que l'on attendait, il s'impose. Raylink, une superbe arrivée avec Deep Impact qui semblait faire un canter, qui a fait illusion pour la victoire. Il doit se contenter du second accessible puisque Pride a fini très très vite. Mais Pride vient mourir à la hanche de Raylink. Une arrivée fantastique, on revoit les derniers mètres de course. Raylink qui s'impose, Pride qui termine très fort, Deep Impact qui est troisième, trois chevaux en moins d'une longueur. Petit Pierre, encore un arc pour lui, Manu. Eh oui, c'est votre combien, Petit Pierre, d'arc? Mon 8ème. Et alors, à chaque fois? Pareil. C'est mieux qu'André Favre. Et ce Raylink alors? Je suis content.